pas de courant. Ça y est, Paige. J'ai pu mettre un fusible. Parfait. Il lui manque plus qu'un petit électrochoc pour le réveil. Pas de courant. Pas de courant. Paige, j'ai trouvé du courant. Oh, je sais pas si ton installation est bien aux normes, mais on va être vite fixé. Ça a l'air de marcher, Jeanne. J'ai vraiment de la bricole, ce truc-là. Ça tiendra pas longtemps. Eh ben, finalement, on s'en sort pas mal, partenaire. Oh, t'emballe pas trop, Jeanne. Si tu veux mon avis, les festivités n'ont pas encore commencé. Ça commence à se corser. Au fait, Chad, tiens. L'autre jour, il y avait aussi ça qui était arrivé pour toi. Tu jetteras un œil. Hé, hey, t'aurais pu me prévenir. C'est sûrement du boulot. Oui, c'est sûr. Excuse-moi, mais il y a eu tellement de trucs, Jeanne, tu sais. Ok, il est recensé. Bonne chance pour la suite. Ah, pas mal, ma petite poule. Sans toi, je crois bien que j'étais cuit comme un jambon.
Reste planqué, surtout. On doit d'abord évaluer leur force de frappe. Ok, à tout de suite. J'ai besoin de plus de preuves, Shawnee. Boucle d'abord le reportage et je t'enverrai le code. Shawnee, il nous faut des photos. 1. Le contenu des caisses en noir. 2. Les sections alpha sans casque. Et on pourra publier le numéro 513 de Iris. Courage. Shawnee, il nous faut des photos. Pas terrible. Pas très efficace. Aucune réaction. C'est bon, j'ai archivé le cliché. Ha!
Paige ! J'arrive ! Jeanne, tu as hérité du courage et de la générosité de tes parents. Tu sais, je pense souvent à eux. C'étaient des amis très proches. Il y a 20 ans, nous avons été contraints de nous séparer parce que nous avions tous de gros problèmes avec les autorités. Tes parents t'ont confié à moi pour te sauver la vie. Nous avons débarqué sur Elis. À l'époque, c'était une planète pacifique. J'espérais pouvoir t'y élever à l'abri. Mais le conflit s'est généralisé. Maintenant, il faut que tu saches quelque chose. Si j'ai pu venir ici avec toi, c'est grâce au Beluga, le vaisseau spatial que nous avions conçu, ton père et moi. Il existe encore, mais j'ai pas tout à fait fini de le remettre d'aplomb. Tu trouveras le check-up sur mon bureau. Le Beluga est chez nous. Il faut rentrer un code dans chacune des deux consoles pour ouvrir la planque. Je peux pas t'en dire plus sur ce M-disque, mais j'espère qu'il te sera utile si un jour tu dois te servir du Beluga. Quoi qu'il arrive, bonne chance à toi, Jade. Oncle Paige. Mademoiselle Osiris! Il y a des gardes dans tout le secteur. Ne vous faites surtout pas repérer. On se retrouve plus loin, à tout à l'heure.
Shoni, Double H nous a prévenu pour Paige. Il l'a vu entre les mains des sections Alpha. Ne perds pas espoir, Shoni. Boucle le reportage. C'est comme ça qu'on pourra sauver Paige. Y'a rien! Intrusion! Demande autorisation au nettoyage zone! Reçu! Zone nettoyée! Assistance au binôme! Ok, système rebranché! Pour l'instant. J'ai vu un truc là-bas! Y'a rien!
Intrusion! Intrusion! Demande autorisation au nettoyage, Zod! Reçu! Zone nettoyée! Mademoiselle Osiris, je suis coincé par les flammes! À vos ordres! Mademoiselle Osiris, si vous n'avez pas d'autre choix, faufilez-vous dans le dos des gardes et frappez leurs bonbonnes de respiration. Elles ont un défaut. On se retrouve plus loin. Pas de courant. Appel à toutes les patrouilles. Des intrus ont pénétré la fabrique. Restez sur vos gardes. Programme de chargement maintenu. Demande autorisation au nettoyage, Zod! Reçu! Zone nettoyée!
le total. Alarme! Alarme! Demande autorisation, nettoyage, zone! Reçu! Zone nettoyée! C'est bon, c'est numérisé. À toutes les patrouilles, conservez vos postes et restez en alerte. Interceptez et détruisez. Identification compte. Ok. Un Starkos régénère votre énergie. Une boîte de Kabobs régénère toute votre énergie.
Bien reçu. Je le classe de suite. Ok, ta pellicule est terminée. C'est bon, je te transfère une perle. Et je réinitialise ta pellicule.